N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve aujourd'hui pour un mini Rikiki tout petit unboxing AliExpress. Alors, j'ai acheté un petit accessoire. Quand je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre. En fait, je suis en train de travailler sur une toile de chez Home Fun et franchement, les diamants noirs 310, c'est une catastrophe. Regardez. Alors, si vous voyez un petit peu, ce sont tous des diamants collés. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ils sont tous collés. Donc, c'est un peu pénible à chaque fois. Je suis obligée de les prendre. Je les frotte entre eux pour essayer de les décoller. J'en ai eu marre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient acheté cet accessoire. J'ai dit, allez, je vais essayer. Donc, je pense que vous avez deviné. Il est arrivé ce matin. Et donc, on va essayer ensemble. Alors, franchement, je sais pas vous, mais moi, ça m'énerve. Ces diamants-là qui restent collés tout le temps. Donc, c'est le moment d'essayer. Tadam! Cette petite boîte avec des picots dedans. Alors, je vous remettrai, si ça vous intéresse, le prix sur la vidéo. Et je vous remettrai aussi le lien direct de chez du vendeur AliExpress. Je ne sais plus combien je l'ai acheté, mais honnêtement, pas grand chose, quoi. Donc ça se présente comme ça. Des deux côtés, on a des petits picots. Je ne sais pas si vous allez, si je me mets en biais comme ça. De chaque côté, on a des petits picots. C'est aimanté en fait. Le petit point gris là que vous voyez, c'est un aimant. Comme ça, ça permet de... C'est bien aimanté même. Et donc... On va tester en live ensemble, en direct. Vous versez vos diamants dedans, collés. Ou vos diamants, hein, vous ne faites pas le tri de ceux qui sont collés et non collés. Hop, vous refermez et vous tournez comme ça. Voilà. On les place un petit peu. Et normalement... censé être décollé. Je tourne. On va regarder. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit à l'intérieur. Donc, on peut voir si il y en a encore qui sont collés entre eux. Et on va voir si ça n'a pas... si ça n'a pas carrément explosé le diamant. Donc, je laisse la boîte comme ça pour voir. Peut-être que ça ira mieux à plat. Et on regarde ça ensemble tout de suite. Et il y en a qui sont encore collés, mais comparé à tous ceux qui étaient collés, franchement, et voilà le petit bonheur. Ils sont décollés. Alors, regardez. J'en ai encore, ah non, c'est après c'est électrostatique, donc forcément, là j'en ai encore deux, non, c'est bon. Ces deux-là, ils sont encore collés. Ceux-là aussi. Bon, alors ça les détache quand même, parce que regardez, tous ceux-là, ils étaient collés entre eux, hein, quand même. Et donc... Voilà, on en a une bonne partie qui se sont détachées entre eux. Vous voyez, à chaque fois, j'étais obligée de faire ça. Et encore, j'arrive pas à les détacher. Hop, on va le remettre dans la boîte. Donc, voilà. Alors, ouais, je ne sais pas si je suis retombée sur un mauvais lot. Mais alors, le noir de chez Home Fun, là, celui-là,
C'est une catastrophe. Alors là, il faut peut-être qu'il y ait plus de diamants dedans parce que là, il ne me les prend pas. Donc voilà le petit accessoire du jour. Hop. En plus, je l'ai pris jaune fluo. Je ne sais plus, mais je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Au moins, je le repère vite dans mes affaires. En tant que craqué, on a toujours l'impression que les diamants se cassent. Et voilà. Donc c'est plutôt... ouais, ça en détache quand même une bonne partie. Il y en a peut-être, c'est peut-être parce qu'ils... Enfin, ceux qui sont pas, ils sont pas détachés, c'est peut-être parce qu'ils sont vraiment, vraiment très, très collés. On n'arrive vraiment pas à les détacher. Même en faisant ça, j'y arrive pas. Non. Mais bon, ça a détaché une bonne partie des diamants collés. Oups. Donc, pour ceux que ça intéresse, je remettrai... pour ceux que ça intéresse, je remettrai le lien direct de l'article en barre d'infos. Et voilà, donc ça c'est tout. C'était vraiment un mini Rikiki unboxing à AliExpress, l'accessoire du jour. Je vais vous montrer en même temps l'avancée de ma toile, de mon nouveau projet, la jolie paire de chaussures où j'en suis. C'est l'occasion de vous montrer. Regardez, hop, j'en suis presque à la moitié. Alors, l'image en elle-même était terne. Vous voyez, c'était assez terne. Mais une fois les diamants posés, les couleurs sont super jolies. Donc, c'est une toile, je rappelle, de chez Kuol. Et franchement, je vous referai le point, le bilan final de cette toile une fois terminée. Mais je peux déjà vous dire que la qualité des diamants est top. J'ai pas de résidus, je m'éclate avec le multiplacer. Les espacements sont super bien respectés. Franchement, celle-ci, je m'éclate. Et le rendu va être trop joli. On voit déjà ce beau rose là. Donc voilà, c'était l'avancée un petit peu de ma toile pour le défi sur le thème girly. Et je pense qu'on est bien dans le thème là. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao, bye bye.